C'est une jolie couleur. C'est une nouvelle recette. Heureusement. Allez, Célestine, à votre santé. Ah bah oui, ça va, quoi. Alors, Célestine, vous, la mémoire du château des Cantenacs, moi de neuf au château. Alors, Mariette, vous savez que depuis trois générations, ma famille sert de gouvernante au château de Cantenac. Alors, mon quinquennat, qu'est-ce que vous en dites? Délicieux. C'est délicieux. Mais vous savez, Mariette, on vit une bien triste époque. Depuis que monsieur et madame Martinet sont installés dans notre château et voulant jouer les grands seigneurs avec leurs manières, moi, ça me rend triste. Allons, remettez-vous, Célestine. Reprenez un peu de mon quinquennat. Cela vous remontera. Oh non, merci, là, ça m'achèverait, hein. Pardon? Oui, enfin, je veux dire, ça me tournerait la tête. Ah, voilà. Et pour en revenir à ce monsieur Martinet, là, ce moins que rien, ce profiteur enrichi, on ne sait trop comment. Un voyou? Non, enfin, vous voyez le genre. Hé, j'ai pu passer en voiture. Oh, j'ai tout de suite compris. Maquillé comme une voiture volée. Un vrai carnaval. Et le fils de l'instituteur qui sert la messe à monsieur le curé m'a dit « La nouvelle châtelaine, on dirait une... » Une quoi? Une... je ne peux pas vous le dire, c'est un trou vilain. Enfin, vous m'avez compris. Autrefois, on disait une poule. Mais en tout cas, les poules de monsieur le curé... Enfin, je veux dire... les poules de notre poulailler, elles ne ressemblent guère à cette personne. Alors, il paraît qu'à Paris, ils appellent comme ça les femmes de mauvaise vie. Jésus-Marie-Joseph, les poules qui sont des animaux si utiles, si convenables, et qui se couchent de si bonne heure. Oh, ben la poule du château, elle, elle se couche pas de bonne heure, hein. Oh non, attendez, votre quinquennat me fait dire des bêtises, hein. Du temps de madame la duchesse. Oh non, mais la duchesse était une sainte. Le neveu Vivier de Cantenac n'aurait jamais dû laisser vendre le château de sa famille. Ben, il a eu comme héritage que des dettes, alors il a refusé la succession. Alors, on a ces Martinet, propriétaire du château. Oh, c'est que du malheur que tout ça, Célestine. Mais que dit l'abbé? Oh, il n'en dit rien, bien sûr. Mais ce changement-là lui fait gros sur le cœur. Lui qui était si bien reçu au château, comme ami de monsieur le comte et de madame la duchesse. Et ces Martinet, il ne les connaît pas. Ben, écoutez, Mariette, je vous porte une invitation pour qu'il vienne prendre le thé au château. Mardi. Ah, je ne crois pas que ça lui fasse plaisir. Ah bon? D'autant plus qu'il dit qu'il n'aime pas le thé. Je n'aime pas les tisanes. Monsieur le curé n'a toujours pas fait la différence entre le thé et le tisane. Bon, mais que fait-il, l'abbé? Ah, bien malin, qui le dirait. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est où est-ce qu'il devrait être? Il devrait être ici depuis presque une heure, les pieds sous la table, en train de se régaler de ma daube. Alors, elle aurait dit, il ne va plus rien rester. Bon, ben, je m'en retourne au château. Ah, oui. Oh, attendez, c'est pas tout dit. Non. Le nouveau châtelain, là, qui s'est enrichi, alors, en vendant des rondes serviettes en aluminium, enfin, je ne sais trop quoi d'autre, là, il va se présenter à la députation. Oh, vous savez, les députés? Enfin, là, il y a vraiment de voir et là, Célestine. Ah, oui, mais si c'est pas malheureux. Oh, alors. Mariette. Ah, te voilà, petit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je viens de servir la messe à monsieur le curé. Oui, il a mis le clouseau, elle a cassé sa pile ce matin, on l'a enterré. Veux-tu être poli? D'abord, on ne dit pas la vieille. Quoi? Elle était pas vieille? Elle était vieille, vous savez. Oui, mais on ne le dit pas. Et puis qu'est-ce que c'est que cette expression « casser sa pipe » On ne dit pas ça. Si, si, ça, on dit ça avec monsieur le curé, hein. Comment on? Je vais vous apprendre à parler tous les deux. Bon, et alors? Et alors, je m'assois, Mariette, hein, Oui. Figurez-vous qu'il a été alpagué à la fin de l'enterrement par une punaise de sacristie qui le collait au basque. Vous savez comment elles sont. Il ne pouvait pas l'envoyer au diable, et pourtant, vu que ce n'est pas possible, et pourtant... Elle lui a couru tellement sur les haricots que ce n'est pas l'envie qui lui a manqué. Hein. Oui, ça je sais. Mais toi, il va falloir que tu apprennes à parler comme il faut. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Et alors? Ah oui, monsieur le curé m'envoie pour vous dire qu'il sera un petit peu en retard quand même. Oh, bah, si c'est pour ça qu'il t'envoie, je commence à en avoir l'habitude. Mais qu'est-ce que tu tiens à la main? Ah ça, c'est la bouteille de vin de messe, on l'a terminée. Hein. Comment? Je l'ai remplie encore hier? C'est vrai que monsieur le curé ne boit pas beaucoup quand il travaille.
ça. La même chose, non? Ouh là, tu m'agaces. Hier, avec Jacques, on a essayé les recettes de nouveaux cocktails à la mode. Mais vous savez, avant de trouver les bonnes proportions... Vous avez terminé la bouteille. On a fini par trouver. Il était délicieux. Je vous le ferai goûter si vous voulez. Veux-tu filer, garnement? Oui, mais Mariette, pour la bouteille, vous nous mettez du bon, hein. File. Ouh. Ah oui, Mariette, j'ai oublié. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vous ai dit que j'étais allé à la messe ce matin. Oui, eh bien. Eh bien, figurez-vous que j'avais oublié ma savonnette. Ma savonnette? Oui, pour laver Maria. Oh! Veux-tu filer? Oh mon Dieu, il est terrible! Mariette! Mariette! J'arrive! Je suis là! Je suis curé! Enfin! Me voilà, enfin! Mais d'où il te reste là, Maria? Je vais t'essuyer les pattes! Ah! Vous êtes une... Vous avez les pattes propres, hein, vous? Ah bah, on essaie! Ah, ça sonne bon ici. Alors, toujours au château? Ah, au château. Pépère, hein, vous avez trouvé le bon de planque, hein. Monsieur le curé, enfin. Ah, Marietta, oui, je suis pas en avance. Je dirais même. Mais dites-le, je suis en retard. Comme bien souvent en ce moment. Eh ben oui, je t'ai envoyé Victor cette fois-ci, non? Oui, oui. Je me suis fait... Alpagué par la vieille Simone qui vous a collé au basque. Vous n'avez qu'à l'envoyer au diable. Mais dis donc, Marietta, comment parles-tu? Oh, comme vous. Et puis d'abord, on en reparlera. Et puis pour en revenir aux pattes de Bidou, je n'arrête pas de les essuyer. Il entre et il sort sans arrêt, les pattes pleines de boue. Ce chien n'est jamais tenu en laisse. Voyez, mon bon Célestine, cette pauvre bête. Hein? Mais je ne parle pas de vous, Mariette! Oh, enfin, cette pauvre bête a quand même droit à sa liberté, hein? Ah, oh, mais ici, c'est Mariette qui me tient en laisse. Ah oui, ah oui, oui. Ah, vous savez, Célestine, la vie à deux, c'est pas toujours facile, hein? Ne prends pas ton poids, tu n'allez pas vous imaginer, hein. Bon, alors, qu'est-ce que vous amène, là, hein? Mais vous pardonnez quelque chose? Ariette, il y a quelque chose à voir? J'ai mon petit cain qui... Non! Moi, je pourrais dire pas six. Oui, moi aussi. Oui. Et si tu ne veux pas l'enlever, le cain qui n'a, hein, tu ne mets pas la rate au fou coco bouillon. La voilà! Ah, oh, mon Dieu, le cain qui n'a. Là, merci beaucoup, Maria. Alors? Alors, je n'ai pas encore goûté. Alors? Alors, je ne trouve pas les mots qu'il faut. J'ai un estomac, là, comme qui dirait des cramponnements. Oh, oui, c'est ça, des cramponnements. Oui, mais ça, c'est bon pour les crampes. Oh non, mais c'est bon pour les Saint-Martin a bien partagé son manteau, hein. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Cécile? J'ai amené une invitation pour vous, Père Pasquale. Ah, oui, ben voilà. Ah. Bon, ben, je vous sauve. Merci. Voilà. Bon, d'accord. Tenez, Célestine, je vous donne une bouteille de mon fiel qui n'a. Non, merci. Non, vraiment, je ne sais pas si je dois. Comment? Mais alors, tu ne dois rien puisqu'elle te le donne. Moi, quand on me donne quelque chose de bon et que je l'accepte, ce n'est pas un péché, c'est de la politesse. Bien, je l'accepte. Eh bien, voilà. Il va rester une bouteille, monsieur le curé. Bien, merci, Marietta. Vous voyez ce que Marietta a préparé pour le déjeuner. Voilà. J'ai toujours dit. Que Marietta et puis d'une fine cuisinière. Asseyez-vous, monsieur le curé. Non seulement vous êtes en retard, mais vous allez manger tout froid. Oh, que je suis distraite. J'ai laissé ma sauce découverte. Alors elle réduit. Pourvu qu'elle soit bonne. Elle est excellente. Quoi? J'ai dit que je suppose qu'elle est excellente. Merci, Tom. Je suis en retard. Hein. Oh. Comme bien souvent en ce moment, je commence à en avoir l'habitude. Eh ben oui, si tu veux, j'étais retardé par les amis de la Corse. Hein? Ah, à propos, tu connais la vieille Annonciade? Oui, qu'est-ce qu'elle a encore inventé, celle-là? Il y a un truc, elle a été chez le pharmacien, demander de l'insecticide. Chez le pharmacien, de l'insecticide? Oui, alors, Duc, c'était pour mettre dans son bain, parce qu'elle avait les fourmis dans les jambes. Elle s'en tient une sacrée couche. Oui, la couche et la sous-couche, oui.
Bref, quand vous êtes avec des amis de votre pays, ils ne vous lâchent pas. Hey, qu'est-ce que tu veux? Tu sais que je suis né là-bas, à Capitello. Bon, et à propos, qu'est-ce que c'est cette lettre? C'est une invitation à aller prendre le thé au château. Oh, le thé! Mais tu sais bien que je n'aime pas les tisanes. Combien de fois vous ai-je expliqué que le thé et les tisanes, ça n'a rien à voir? Oui, pour moi, c'est de la médecine, vous savez. Et alors, l'idée d'aller au château, hein? Oh, ça, c'est une très mauvaise idée. Oui, mais j'ai fait. Je crois que je ne te connais pas, ma vieille. Et d'avoir ta bobine. Possible. Hein? Et t'as pas envie que je me fourre là-dedans, hein? Et ouais. Pourtant, ce sont quand même mes paroissiens. Oh, pas très catholique. Oui. Un mère Conti qui a fait sa pelote en vendant je ne sais trop quoi. Oui. Je ne sais trop comment. Toi, tu prends un moment pour passer au confessionnal, hein? Quant à la dame, tout le monde dit qu'elle a l'air d'une poule. Une poule? Oui, une poule. Oh, c'est pas à moi de vous l'expliquer. Vous avez fait votre service militaire. Vous avez vécu comme des hommes. Oui, mais je t'invite à pas à mon poulet, j'ai une expression pareille. Oh, monsieur le curé, lui, parfois, a la langue bien agile. Oui, mais tu sais ce qu'on dit. Fais ce que je te dis, il ne fait pas ce que je fais, hein. Mais si c'est la vérité pour moi, ce n'est pas un mensonge. Mais ça suffit, tu commences à m'agacer, hein. Tu vas me finir par me faire manger froid. Ah, ben alors, ça, c'est un comble. Et pour en revenir à vos paroissiens, vous croyez que vous les venez souvent à la messe, ces gens-là? Alors là, ça m'étonnerait. Ou alors, s'ils y vont, ce sera à la ville, à la messe chine, à la cathédrale. Oui, du reste, j'ai déjà rencontré leur nièce, la petite Louise, charmante jeune fille, du reste. Et puis, du reste, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas au château. Voir une tisane? Mais parfaitement! Si vous allez voir ces nouveaux châtelains un peu bizarres, tout le monde dira, monsieur le curé ne perd pas le temps de se jeter à la tête de ces nouveaux riches. Oui, mais si ces nouveaux riches peuvent être utiles, hein, pour vos paroissiens. Vous croyez qu'ils pensent à ça? Oui. Vous ne voyez jamais le mal, vous. Vous pensez qu'il n'y a que des braves gens sur cette terre. Oui. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un me disait, l'abbé Pasquale, ce qui le perdra, c'est qu'il a l'air trop opticien. Opticien? Voilà que je suis opticien maintenant. Optimiste, Mariette, optimiste! Que voulez-vous? Moi, j'ai pas étudié au séminaire. Ah oui, mais il faut bien être optimiste dans la vie, il faut regarder les choses du bon côté. Et il y en a toujours un, hein? Il y en a même pour le thé. Il suffit d'y mettre un peu de rhum dedans. C'est entendu, mais écoute, j'irai au château, tiens. Bon, allez-y, dès que je vous connais, vous faire entortiller par ces gens-là. Oui, t'as peut-être raison. Dans le fond, tu as peut-être raison, mais écoute, cette fois-ci, je ne vais pas y aller, et puis, s'ils insistent... Voilà, c'est ça, s'ils insistent, vous saurez ce que vous avez à faire. T'as toujours raison, hein. Allez, finissez-moi cette daube. Oui. Oh mon Dieu, encore du monde. Une visite? Eh bien, si ça sonne, c'est que c'est une visite. Ben oui, mais... Je dirais que vous n'y êtes pas. Hé, encore un mensonge. Oh, et puis ne vous imaginez pas que je passerai deux fois au confessionnal, ou alors vous me ferez un prix de gros pour l'absolution. Oui. Fermez ma porte. Moi, dont le patron a dit, frappez et on vous ouvrira. Oh, il a sûrement pas dit ça au moment du déjeuner. Oui, moi. C'est une dame. Bon. Une jeune. Bon, écoute, je vais la recevoir. C'est dit que je mangerai plus tard, hein. Et donnez-vous un coup de peine. Oh, ça suffit, oui. Faites ci, faites ça. Oh, mais c'est l'enfer ici, hein. Ah, pardon, mon Dieu. Enfin, vous, quand même, ça va être rigolo d'être marié tous les jours, hein. Entrez, mademoiselle. Vous êtes la nouvelle demoiselle du château. Justement, monsieur le curé va vous recevoir tout de suite. Il est très occupé. Il est en train de méditer son sermon pour dimanche prochain. Je ne voudrais pas déranger. Mais moi, j'y crois. Ça va de moi. Mon confit est entre les pattes. Je crois qu'il a terminé sa méditation. Ah, mais... Allez, les pattes. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, mademoiselle. J'espère que je ne vous dérange pas en plein travail. En plein travail? Votre serment que vous préparez. Ah oui. Oui, c'est Mariette qui vous a dit. Allez, essuyez-lui les pattes. Mais non, mais pas elle. Oh là là, quelle bourde. Non, il pleut comme un vache d'épices. En fait, il pleut beaucoup aujourd'hui. Hein. J'espère que je ne vous dérange pas en plein dîner. Non. Mais ici, toi, sale bête, tu vas me tromper comme la soupe. Je viens voir pour vous demander quelques conseils. Quelques conseils, si. Voilà, je voudrais faire du bien dans le pays où nous venons de nous installer et je ne sais pas comment m'y prendre.
alors j'ai recours à vous. Ah, mais il me semble que vous vous y prenez très bien. Je vous ai vu aller visiter la vieille Bertrand, hein. C'est une brave femme. Vos aumônes seront bien placées chez elle. À propos, l'autre jour, vous savez pas ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, monsieur le curé, je suis inquiète parce que quand je vais arriver là-haut, au paradis, comment je vais m'y prendre avec mes 5 maris? 5 fois 2, hein? Elle les a enterrés tous les 5, hein? Elle les a achevés, oui. Que lui avez-vous répondu? Je lui ai dit que j'ai commencé par lui dire qu'elle avait une bonne santé. C'est ce que je dis. Et vous savez, dans notre métier, enfin, je veux dire, dans notre ministère, on envoie de verte et de pas mûre. Enfin, je veux dire, on nous pose des questions un peu bizarres. Mais je suppose que votre papa n'a pas trop le temps de s'occuper des pauvres, hein? Ce n'est pas mon papa. Ah bon? Non. Alors, madame Martinet, votre maman, a épousé... Ce n'est pas ma maman non plus. À Lombard. Maman, je l'ai perdue très jeune. Monsieur Martinet, mon oncle et mon parrain. C'est lui qui m'a aidée, même comme mon papa. Bon, fais bien, fais bien. Je sais que nous sommes un peu des intrus dans ce domaine où la famille Vivier de Cantenac vivait depuis des siècles. Mais non! Mais si, tout le monde doit nous regarder d'un mauvais œil, alors le seul moyen, c'est d'être bon avec eux. Très bien, cette petite. Est-ce que je t'ai dit le contraire? Pour les pattes de bidouille. Il galope! Il a trouvé une copine en face! Mariette. C'est bien, mademoiselle. Je verrai ce que nous pourrons faire, nous nous reverrons. Merci, monsieur Curémy, il faut que je me sauve. Vous n'allez pas laisser partir mademoiselle sans m'offrir un petit quelque chose. Ouais. Merci, mais je n'ai pas soif. Si, fais. Il n'existe pas, je dis qu'elle n'a pas soif. Vous allez goûter mon petit quelque chose. Et voilà. Merci. À peine arrivée, elle veut déjà l'empoisonner. Vous avez des biscuits. Oh, mais si les biscuits sont aussi frais, je vais te dire. C'est bien, elle ne pas tarder à aller chez le dentiste. Hein. Où est-ce qu'elle est passée, ma bouteille? J'étais sûre qu'il m'en restait. Mais je... mes biscuits, oh, ben ça c'est trop fort. Écoute, Mariette, je vais te dire, hein. Je vais te dire. Comment vous taisez-vous? Je ne veux rien savoir. Oh, on ne peut rien garder ici. Mais qui donc cambriole le presbytère? C'est sûrement monsieur le curé qui en aura fait don à quelques personnes. Et oui. Elle est bien, cette petite. Et ça, monsieur le curé? C'est bien, non? Ma petite demoiselle, je vous offrirai un verre, mais vous allez en faire votre deuil. Avec un homme comme ça, on ne peut compter sur rien. Ne vous tourmentez pas pour cela, mademoiselle Mariette, je l'aurais accepté avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. À quoi on ne sait pas l'effet que ça lui aurait fait. Bon, sur ce, au revoir, monsieur le curé. Au revoir, mademoiselle! Mais je sais que c'est un au revoir très proche, car vous êtes invité au château mardi. Ah oui, madame, mardi, justement. Si vous ne venez pas, je serai très, très fâchée. Mais... Alors j'irai! À la bonne heure. Vous avez le thé? Bon, pff, l'homme prend quand je suis malade. Pour ceux qui n'aiment pas le thé, il y aura du porto. Il y aura du porto. Du très bon porto. Mais peut-être que d'ici là, mademoiselle Mariette aura retrouvé sa bouteille de Quinquina! Mais Quinquina, les biscuits, oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi? Alors, j'ai dit qu'il faut que je m'occupe des affaires du bon Dieu! On m'attend, confessionnal. Pas qu'il y ait grand monde, hein. Je crois qu'il n'y a que des saints ici. Enfin, il faut que j'y aille. Avant de filer à l'église, on a apporté ces partitions pour vous. Ce sont les nouveaux cantiques pour les enfants de Marie. Les nouveaux cantiques? Comme si le bon Dieu ne se contentait pas de ce qu'on lui chantait. Je veux de nouveaux cantiques. À l'aube, ce sera encore du réchauffé. Mais ce sera que meilleur. Alors, voyons ça. Yeah.
grand-père. Ah. Bien, il a l'air d'un marchand de fromage. Oui. Mais d'ailleurs, c'est normal, c'est vrai. Il l'a inventé. Ah. C'est même bien fabriqué. Il a inventé la triple crème. L'empereur en mangeait au Tuileries, il en redemandait. C'est comme ça qu'a commencé la fortune des Martinets. Quelle allure, hein? Oh non, pardon, je le suis. Celui-là, il fallait pas qu'on revienne Gontier. Contassier, mon oncle. Quoi, Contassier, mon oncle? On dit Contassier, mon oncle. Oh, ça c'est bien. Oh, c'est très bien. Je vois qu'on t'a appris des choses dans ton couvent. Oui, par le grand-père, j'aimerais le mettre là. Et au-dessus du canon, à cet endroit. Ici, là, il y avait avant une espèce de moine auvergnat. Je l'ai fait monter au grenier. Le grand prieur de la commanderie de Villiers de Cantonac, 1350-1425. Bien, alors, Célestine, est-ce que je suis un Cantonac, moi, hein? Pour ça, mon monsieur. Bien, alors, autant des Cantonac, les portes des Cantonac, autant des Martinets, les portraits... Le marchand de fromage. Puis alors? Et puis, vous m'enlèverez ce grand dégingandé, là, avec sa perruque de guignol, dans la galerie. Oh! Monsieur veut enlever le portrait d'Adhémar Godefroy, Eudes de Gontran, deuxième de Villiers de Cantonac. Eh bien oui, enlevez-moi Eudes de Gontran, Godefroy de Cantonac. Maréchal de camp de Sa Majesté Louis le Bien-Aimé. Oh, ça ne m'impressionne pas, moi, Louis XIV. Hein? 15. Quoi, 15? Louis le Bien-Aimé, mon nom, c'est Louis XV. C'est nouveau, ça? Ah non. Tu le savais, toi? Mais bien sûr, je le savais. Dans le sketch aux Folies Bergères à Paris, j'étais la diva. Oui, bon, ça va, ça suffit. Ok, bien. Alors, vous installerez ce portrait-là dans la galerie à la place de l'autre. Hé, doucement, n'allez pas le cramer, une toile de sanglier. Oh, mais c'est un vieux tableau. Un vieux tableau? Ma femme? Oh, le portrait de madame? Par David. Mmh. Oui, David Lenoir. Un ami industriel qui a du talent. Ben, je comprends mieux, merci monsieur. Comment le trouvez-vous? Oh ben non, je n'ose regarder madame dans cette tenue. Regardez! Non, je ne voudrais pas être discrète. Tu vois, tu l'as scandalisé. Ben enfin, il n'y a pas de quoi. Ouais, on aurait pu te faire un peu plus vêtu. Un peu plus vêtu? Enfin, mon ami, on est toujours assez bien vêtu quand on est bien fait. Et toute la presse a constaté que j'avais un nu épatant, oui, le plus beau nu de tout Paris, mais tout le monde sait ça. Et il y en a qui s'en souviennent. Tu vois, je ne sais pas si... On a toutes de ça dans la famille, tu sais, on est toutes comme ça, on est toutes comme Raymonde. Ah, oui, enfin. Ah, mes livres.
Louise, tu peux aller me chercher un cahier, s'il te plaît, pour dresser le catalogue. Tu ne préférerais pas plutôt des fiches? Non, un cahier, un gros cahier. Okay. Viens. Qu'est-ce que tu fais là planter comme un santon? Je te regarde, je t'écoute. Des invités! Tu n'es que des invités! Monseigneur Mayer! Mais non, je n'oublie pas. Ça fait 25 heures et tu ne t'occupes pas seulement du thé, des gâteaux. Oui, ne t'en fais pas, je dis à Célestine. Ah non, il faut t'en occuper toi-même. Hein. Tâche de séduire cet évêque par des attentions délicates. Alors, je suis sur une liste où j'ai besoin de tout le monde, des ouvriers, des curés, des patrons, de tout le monde. Ne t'inquiète pas. Et pas de gaffe quand Monseigneur sera là. Mais enfin, tu le connais. Eh bien oui, justement. Oh, mais tu es toujours à dire ceci, à dire cela, et puis c'est à la fin. Alors ça, c'est un peu fort de café. Oh non, dès que j'ai les pieds par terre le matin, fais attention à ci, fais attention à ça. N'oublie pas que tu es châtelain maintenant, tes coudes sur la table, du bruit en mangeant ta soupe, et patati, et patata. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? Olivier de Cantenac, votre voisin. Ah, c'est vous le neveu du... Ah,
excusez-moi. Oui, c'est moi, le neveu. Oui, pardon. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Asseyez-vous. Ah, ma femme m'a beaucoup parlé de vous. Elle vous a dit? Oui, elle m'a dit oui. Elle m'a dit que vous aviez eu la gentillesse de la remettre dans le bon chemin. Oui, tout à fait, Madame Martinez, c'était égaré dans moi. Oh, ma femme s'égare très facilement. Elle n'a jamais eu le sens de l'orientation. Bon, tenez, prenez votre carte de bon service. Merci beaucoup. Madame Martinez m'a permis de bien vouloir rendre visite au château. Eh oui, votre château. Non, ce n'est plus bien. Ah oui, alors, notre château, si vous préférez. Ah oui, il y a eu des transformations, c'est modernisé, il a fallu refaire l'intérieur, l'extérieur, enfin tout. On met encore dans les paquets, passe encore des visites, c'est vous qui en faites les trains. Hein. Je connais tout le monde ici, donc si je puis vous être utile en quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Non, je craindrais d'abuser. Mais non, disposez de moi. Disposez de vous? Oui, bon, justement, vous allez m'aider à monter cette caisse, on va la mettre au fond. Elle est bourrée de livres, elle pèse un anneau, je vais la poignée. Allez, aidez-moi, dans ce cou ici. Sommage, madame. Vous, monsieur Trentin? Mais enfin, mais comment tu fais pour déménager, monsieur Trentin? Non, c'est seulement un peu d'aide dans votre voisin. Enfin, c'est très sympa. Oh, il ne faut pas faire de façon avec les amis et j'ai été très heureux d'avoir été traité en ami. Je vous présente ma nièce Louise. Mademoiselle, je suis ravi de vous rencontrer. Mais je vous ai déjà vu, monsieur, dans le train, il y a quelques jours, je rentrais de pension. C'est possible, excusez-moi, je revenais de Poitiers et je ne vous avais pas remarqué. Moi, j'avais remarqué. Enfin, parce que vous fumiez beaucoup, et sans avoir demandé la permission, d'ailleurs. Bien. Vous aurez le plaisir de prendre le thé. Enfin, si les curés ne vous font pas peur, nous aurons un thé ecclésiastique. L'abbé Pasquale doit venir? Oui, tout à fait, je l'ai invité. Mais nous avons mieux que ça, vous savez, Monseigneur Royal. Ah oui, on fait venir du galant. Le nouvel évêque. Ah oui, c'est un type très chic. Très distingué. Voilà, très distingué. Il porte très bien sa robe. Il est beaucoup plus aimable que notre curé. Le curé du ciel ne le voit jamais. Enfin. Oh, ça ne m'étonne pas, vous savez. Il est dans un petit village corse, il lui a fallu du temps pour s'habituer. Enfin, il est surtout très occupé, il s'occupe beaucoup des pauvres. Oui, mais il n'y a pas que les pauvres, hein. Bon, moulin, cigare, ils sont excellents, j'y mets le prix. Je vous remercie, je ne fume plus le cigare. Oh, vous ne savez pas ce qui est bon. C'est notre être l'évêque. Recevez-le, je vais mettre un peu de pain au jour. Tu viens, Luc? Oui, oui. Oh, voilà, elle me laisse seule. Je vais avoir l'air de quoi en mode je suis. Oh! Rassurez-vous, ce n'est pas l'évêque, c'est notre bon vieil abbé Pasquale qui arrive. Oh oui, mais ça me met hors de moi. J'ai dit sonner quand Monseigneur sera là uniquement, Monseigneur. Je ne m'écoute jamais. Ce brave abbé, je suis quand même content de le voir, vous savez. Vous le connaissez comme ça? Si je le connais. Disons que je lui en ai fait voir au catéchisme. Je lui ai même cousu le front de sa soutane. Mais nous estimons beaucoup, lui et moi. Et alors? Vous allez mettre utile, c'est vous qui allez le recevoir. Ah non, regardez, je suis plein de poussière, j'ai les mains dans un état. Ah, ma femme avait raison. Vous êtes un homme charmant. Oh oui, monsieur le curé, moi ça va toujours bien. À part l'estomac. Oh oui, ça c'est le pépinat de Mariette. Mais entrez. Monsieur, vous n'êtes pas là? Non, mais il va arriver. Ah bon, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu connais les nouveaux propriétaires du château? C'est très récent. Alors, tu vas mettre sur le secteur, hein? Alors! Tout ce qu'il y a de plus pépère. Ah, monsieur Martinet. Voilà un petit industriel enrichi depuis pas très longtemps. Oui, je comprends. Et madame Martinet? Madame. Comment dire? Bonne chrétienne! Ah oui! Sans nul doute, hein. Mais pas du tout le même style que la marquise de Campa qui lui échappe parfois des expressions. Ça oui, ça m'arrive à moi aussi, j'en sors quelquefois. Mais en tout cas, très parisienne, un bras agité et beaucoup maquillée. Oui, Mariette est maquillée, du blanc aux joues, du bleu aux mirettes et du rouge au bec. Une figure patriote tricolore, quoi. Oui, mais ce qui n'empêche pas d'être très bonne et très généreuse, enfin, ce qu'on m'a dit. Monsieur le curé, qu'est-ce qu'il y a, Cécile? Mais votre chien fait du raffut de tous les diables, il m'a tout cassé dans la serre. Oh, mon pauvre Bégognac. Oh, ben oui, mais pauvre Bégognac. Oui, j'arrive, Cécile. Mais oui, tu comprends, je ne vois jamais cette bête. Alors toute la journée, je suis à l'extérieur. Quand je rentre le soir au presbytère, il me saute dessus et alors. Et monsieur,
cachet. Vos visites sont rares. C'est vrai, je ne vais pas souvent au rapport. Oui, mais n'importe, n'importe. Je vous connais. On m'a beaucoup parlé de vous. Ah oui, tiens donc. Oui, votre rondeur, votre jovialité, vous attirerait-il des sympathies populaires. Et il semble même qu'à l'occasion, vous ne dédaignez pas le chant. Dans des domaines éclectiques. Oh, vous savez, monseigneur, David chantait bien et dansait bien devant l'arche, hein? Oui, mais il n'aboyait quoi. Et on m'a dit que chez vous à la cure, et ce qui est beaucoup plus grave au patronage, vous n'avez pas craint de chanter en vous accompagnant à l'harmonium, une chanson bien risquée. Oh, le mot plus long, monseigneur, de reporter d'anciens combattants, une chanson très guérée, pour le plaisir, leur apprendre des litres. Trop gai. Oui, mais elle a été chantée par de braves gens qui allaient se faire trouer la peau, qu'elle est devenue bien triste. Vous êtes venu à bicyclette. Ah, toujours, monseigneur. Ah oui, je suis celui que le cycle amène. Oh, pas amène, amène. Mais non, pas amène, monseigneur, je vous expliquerai. Vous m'avez vu sur la route? Non, mais je résume. Oui, non, mais ça... Ça, c'est celui de la bicyclette, c'est quand même plus pratique. Hein. Sinon, je mets cette assurance dans les rayons, vous comprenez. Hein. Alors, quand même, c'est la vieille, c'est pas bien grave. Mariette est en train de me faire voler à la nouvelle. Oui, il vaudra mieux, comme ça, ça cachera vos... Mais voler, quoi. Vous voler, ça vaudra mieux. C'est votre première visite au nouveau châtelain. Non, 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 du temps de la marquise, j'étais reçu sa place, vous le savez. Monsieur curé, monsieur... J'arrive, Célestine. Pardonnez-moi, monseigneur, ma maman, dans les bégonias. Qu'est-ce que c'est que ce curé-là? C'est un jardin, monseigneur, un peu original, il faut l'avouer. C'est le mot qu'on puisse dire. Un curé qui aboie et qui s'affole pour des bégonias. En général... Nord et des nappes en dentelle à votre curé. Celui que je connais, il préférait des vêtements pour les pauvres. Mais oui, mais on lui en donnera.
voyons tout ce qu'il voudra. De mon côté, j'appuierai vers lui. Je compte lui faire miroiter un camail de chanoine. Un camail? Mais non, il y en donnerait plusieurs, quatre, cinq, six, mais tant pis. Non, Hélène, tu ne comprends pas. Le chanoine pasquale, ça sera bouffon. Et pourquoi donc, monseigneur? C'était un saint prêtre. Qu'est-ce que vous disiez? Vous voyez, quelle chaleur! Ces partisans le défendent. Et ils sont nombreux. C'est une force avec laquelle il faudra compter. Ah, monsieur le curé, justement, vous parlez de vous. Ah, monsieur le curé, je suis enchanté de faire votre connaissance. Monsieur Martinet. Enchanté, monsieur Martinet. Ma femme. Ah oui. Oh, et vous connaissez monsieur Vivier Tortin. Ah, bon. Et ma nièce, Louise. Ah, mademoiselle Louise. Bonsoir, monsieur le curé. Je suis ravi de vous revoir. Moi aussi. Voulez-vous une tasse de thé? Monsieur le curé n'aime pas le thé. Oh, monsieur le curé préférait, je pense, un petit verre de porto. Ah, oh, mais c'est mes goûts. Ah, ah. Monsieur le curé, dites-moi, c'est avec du Bordeaux que vous dites la messe? Oh non, ce serait dommage. Non, quand je dis la messe, je mets du sauterne. Du sauterne? Mais oui, c'est pour éviter de faire la grimace au bon Dieu. Monsieur le curé, excusez-moi, monseigneur, monsieur, je voulais vous voir pour vous parler de votre église. Je l'ai visitée. Elle est en dessous de tout. Oh là, l'église romane avec de si beaux vitraux des pauvres. Elle est très visitée par les touristes. Oh ben, ils ne sont pas très regardants, ils sont pas difficiles. Non, il faut redorer les boiseries, il faut installer du marbre partout, des statues de saints bien habillées dans les niches, partout. Non, je me convise. Ce sacré Martinet fait bien les choses. Tout le monde profite de sa générosité, même le bon Dieu. Qu'en pensez-vous, monsieur curé? Oh, j'en pense que le bon Dieu s'en fiche de tout cela. Monseigneur est né dans une étable et il a besoin qu'on le loge dans un palace. Et tous vos cadeaux sont font moins de plaisir qu'un beau discours. Mais n'est-ce pas, monseigneur? Mais on s'en fiche de tout ça. Ma femme s'occupera des pauvres. Les pauvres, il y en aura toujours. Mais vous ne m'aurez pas tout le temps. Bon, non, à votre élection et à votre santé. Oui, je me présente comme un républicain, modéré. Vous êtes en marche. Donc, t'as-tu approuvé par l'archevêché? Bien, tu parles. Mon programme, je le présente tout d'abord dans tout l'arrondissement. Vous voulez que vous laissiez exposer à monsieur le curé votre programme tranquillement? Oui, c'est une excellente idée. Nous allons faire un tour dehors. Vous venez, monseigneur? Pour les bégonias, hein. Ma femme va vous faire visiter la serre. Hein? Je serai du parti qui fait des curés, des évêques. On m'en fiche de tout ça. Oh, c'est bien de ne pas être ambitieux. Et cela ne nous dispense pas de soutenir la bonne cause. Et la bonne cause, c'est vous. Parfaitement. Je représente la tradition, la famille, la morale. Les recettes baissent partout en ville, dans les grands magasins, dans les dancings. On compte sur vous. Mais pour les faire remonter. Et tout se tient. Quand les établissements de plaisir vont la vivre, il y a beaucoup d'ouvriers. Mais cela, vous ne leur raconterez pas de galéjade. C'est justement pour ça que nous avons besoin de vous. Les ouvriers, c'est notre rayon. Pas tous nos coucheurs qui. Ah, mais vous leur faites des promesses. C'est pas moi le
pas moins cher, etc. Mais ça, vous pouvez le dire vous-même. Oh, plus fait que moi, ils ne me croiraient pas. Ah! Alors vous voulez que je leur bourre le crâne à votre place? Vous voulez que je vous donne ma soutane pour vous déguiser? C'est le loup qui se fait violer, c'est ça? Mon Dieu! Oh, laissez-le conduire tranquille, hein. Tout ça, c'est pas très joli, joli, hein. Et puis, ne comptez pas sur moi pour mettre le bon Dieu à la sauce électorale. Moi, je baptise Jacques Fou, hein. Je connais papy et les mamies sont en orbite, hein. Chacun son métier. Et les vaches seront bien gardées, bonsoir. Oui, mais enfin, si... mais il n'y a pas de cimogneux, hein. Allez, bonsoir. Oh, la bonne. Je vois que vous êtes d'accord. Oui. Mais pas tout à fait. Hein. Vous faites moins de détails, ça s'arrangera. Mais ce costume, il ne faut pas avoir peur des courants d'air, hein. Vous avez vu ce décolleté, monseigneur? On dirait le bénitier du diable. Moi, j'ai parlé. C'est un portrait de ma femme. Oui, c'est moi. Portrait très ressemblant. Par monseigneur, les connaisseurs. Il a été exposé au salon. Ah, ouais. Il y en a qui ont dû apprécier, hein. Oui, il vous plaît. Oh, beaucoup. On dirait une sainte. Ah oui, non, enfin, c'est moi, en infirmière. Ah, oui, j'ai été infirmière. Au casino d'Anguin. Oui, enfin, c'est bien majeur, mais vous savez, le plan, il n'y a rien de tel. Oui, je ne savais pas que Madame Martinet était si dévouée. Oh, ma femme est dans son service, tout sérieux. Des aviateurs, des avocats, et... Oh, mais si elle en a vu, des hommes. Ah oui, ça, c'était content. Mais nous vous avons déjà rencontré quelque part. Oui, oh, ça, c'est possible. Ah oui, demandez si petit. Mais oui, j'y suis au théâtre aux armées. Oh oui, c'est vous qui chantiez. Regardez par-ci, regardez par-là, comment vous pouvez ceci, mais cela, comment vous pouvez cela, et hop, je suis prêt. Mais vous aviez un autre nom. Lisette de Courcy. Lisette de Courcy. Lisette avait perdu nous quand elle s'en allait se mettre au fond du fond la couronne. Elle ne tremblait comme nous. Elle ne tremblait comme nous. Si je m'attendais. Je n'en doute pas. Oui, monseigneur ne savait pas que ma femme était artiste. Non, mais maintenant je le sais. Vous savez, l'art et la religion ne sont pas incompatibles. Et l'histoire sainte a inspiré des chefs-d'œuvre. Monseigneur, j'ai travaillé dans un autre genre. Oui, j'avais cru comprendre. Votre éminence savait que j'allais chanter. Et danser. Vous m'avez pris au casino. Non. Oh, vous chantiez aussi. Rive du Grand, rive dans le Tirette, on sait la perdre la paix. Rive du Grand, rive dans le Tirette, on ne s'aime plus, c'est fini. Oui, c'est fini. Oh, monseigneur, excusez ma femme, je suis confus. Notre visite a cessé. Enfin, comment vous partez déjà? Oui, il se fait tard, jeune dame. Monseigneur, je vous reconduis dans ma limousine. Venez. Louise, tu viens? Oui, monseigneur, comment vous remercie? Oh, mais de quoi, chère madame. Au revoir, monsieur le procureur. Vous venez, monsieur le curé. Voilà, monseigneur. Quand monseigneur sera parti, je m'en chanterai une, hein, et une rigolote, hein. Vite, quand vite, on tirait, on s'agarde perdre la tête. Vous venez, monsieur le curé. Voilà, monseigneur. Lisette de Courcy, c'était donc vous? Mais oui, c'était moi. Je ne vous avais pas reconnu. Et pourtant, voilà une femme dont j'ai été amoureux. Amoureux de moi? Oh non, madame, je ne me permets pas. Mais tellement amoureux de Lisette de Courcy. Mais vous alliez souvent en Folie-Bergère? J'ai vu Folie en Folie, et puis J'aime la folie. Et Pendre la Lune? Non, c'est pas une idée. Enfin, ça, c'était un début, voilà. Mais je me souviens là, pendant que vous dansiez dans Nuit Parisienne. Je vous vois encore. Un galbe. Des jambes. Je vous demande pardon, j'ai tort de parler à Madame Martinet des jambes d'Elisabeth Courcy. Mais pourquoi enfin? Ce sont les mêmes. Alors vous êtes tombé amoureux de moi à cause de mes jambes? Non, à cause.
tour de plume. Je vous en prie, n'excitez pas mes regrets. Voulez-vous voir les photos de mes revues? Avec plaisir. Dans cet album se cachent les plus précieux souvenirs de ma carrière. Vous permettez? Bien sûr. Ah, alors ça, c'était dans la nuit vénitienne. Me voilà en arlequin. Ici en Amazon. Et vous avez sauté une page? Oh oui, j'ai fait exprès, ce ne serait pas comptable. Et qu'est-ce que ça ferait? Oh non. S'il vous plaît. Vous allez me faire rougir. Mais c'est Vénus? Ah non, non. Je suis dans l'impératrice de Byzance, dans un sketch antique. Oui, enfin, on répétait dans un monde, j'ai remarqué. Mais le remarque de l'époque. J'entrais et je disais, j'ai soif d'amour. Je veux de l'amour, oui, je veux de l'amour. Et puis je dansais. Oh, c'était super. Les hommes se battaient pour ma foi. Oh, tu as de beaux œufs, tu sais.
et demander des légumes à la voisine, alors ça, jamais. Au secours, au secours! Oh mon Dieu, c'est la voix de monsieur le curé. Mariette, Mariette, il n'y a que toi qui peux me sauver. Oh, le sauver, mais où êtes-vous? Vous me faites tourner les sangs. Ah, que se passe-t-il, monsieur? Mariette, au secours, regarde, regarde! Oh, vous êtes vivant. Mais bien sûr que je suis vivant, mais regarde! Non, ça c'est l'avenir, il m'en fiche, Jarvis. C'est moi qui l'ai fait brûler. Mais arrête avec cette soutane. C'est la vieille. Oh, tu ne me plains pas, moi. Ah, si, 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 oui. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il est arrivé, la vieille Maria, vous dites que je la confesse, elle a tout de suite. Et qu'est-ce qu'elle avait, le silence sur la conscience? Mais ça, je ne peux pas te le dire, hein. Enfin, alors j'ai cru dans l'église, il fait toujours noir dans cette église. Je me suis espatraqué et je me suis renversé, le porte-cierge dessus. Mon Dieu, il y en avait. Je perds tout, oui, le château en Martinique et tout, tout à faire la bombe à Paris, oui.
je fais une réussite. Je ne suis pas trop curieuse. À quoi pensez-vous? Oh, à rien. Faites une réussite sans penser à quelque chose. Permettez que je pense à quelque chose. J'aimerais tant que ça réussisse. Pour le moment, c'est pas trop mal. L'as de pique est placé, mais c'est le cœur qui m'inquiète. Votre cœur? C'est grave. Très grave. Il est récalcitrant. Je vois bien. Vous croyez au récit, mademoiselle? Un peu. Eh bien, vous avez tort, c'est une invention des filles. Et moi, je pense qu'elles ont été inventées par une jeune fille qui désirait beaucoup quelque chose et qui n'osait pas en parler. Alors, pour se donner un peu de courage, elle a essayé de se persuader qu'elle obtiendrait. C'est pas mal, mais cette fois-ci, je regrette. C'est perdu. C'est égal, vous savez. Vous voulez bien me donner une cigarette? Comment? Vous, Louise, vous, une jeune fille, et en plus de ça, une jeune fille modèle? Oui, un vieux modèle. Oh, je n'ai pas dit ça. Mais vous le pensez? Je fume, vous savez, j'ai l'habitude, ce ne serait pas la première fois. Alors parce que je sors de pension, vous pouvez vous imaginer que je ne peux pas être moderne aussi. Chérie, tu peux me servir un petit verre? Oui, volontiers. Fille, marre, bénédictine. Oh, ce qui te fait plaisir. Bien. Ah, mes enfants, j'ai une bonne nouvelle. Ce brave Crapichaud, le rédacteur en chef de notre journal, vient de m'annoncer que nous donnons le bon goût pour notre élection. À la bonne heure, non? Le pouls de nos électeurs. La liste Martinet, ma liste, passera comme une lettre à la poste. Tiens, regarde, mille éditoriales. Alors, Bazavoir et Jocelyn, les députés sortants qui seront bientôt les députés sortis. Ils ont pris ça dans un vrai blague d'herbe. Oh, et plus une blague est connue, plus elle pèse sur les masses. Alors, ces tristes individus ne doivent qu'à l'immunité parlementaire d'avoir échappé à la cour d'assises. Et voilà les lamentables fripouilles qu'on voudrait opposer à la liste Martinet. Je leur poserai seulement une question, d'où vient l'argent? Bravo! Ah oui! Ah là là! Bien, mais moi je vais faire un billard, monsieur de Cognac. Pourquoi pas? Non, finalement pas aujourd'hui, j'ai un peu la migraine. La migraine? Ça tient pas le coup, cette jeunesse. Rendez-vous dans la charmille. Venez, venez. Non, non, vraiment, je crois que je vais plutôt aller fumer une cigarette sous la charmille. Sous la charmille? Oh, les poètes avec ça. Vous sortez, monsieur de Cantac? Oui, oui, j'ai une de ces migraines. Oh, mais je sais que j'ai toujours un bon exemple. Merci, mais j'en ai déjà un et il est excellent. Merci. D'attendre que ça passe en marchant au dentaire aussi, mademoiselle, excusez-moi. Voulez-vous que je vous accompagne? Non, j'ai juste besoin de calme et de tranquillité. Merci. Oh, vous avez si trop fort, mais c'est un con, ça ne peut pas durer. Ah, monsieur curé. Ah, vous allez loin comme ça? Regardez-moi, monsieur curé, est-ce que je suis si tocarde que ça? Oh, tocarde! Quel vilain mot! On dit moche. Alors je suis moche. Mais je ne connais pas ces histoires de l'amour, moi. Quoique. Quoique? J'ai dit quoique. Tu gagnes-je? Monsieur Curie, je ne voudrais ne jamais être allé au pensionnat et plutôt savoir parler aux hommes. Oh, alors, qu'est-ce que vous dites là? Allez! Mon grand, ne me grondez pas. Si vous saviez, je suis si malheureuse. Alors, qu'avez-vous? Je ne peux pas vous le dire. Les hommes sont si bêtes. Eh bien, je vous remercie. Mais vous n'êtes pas un homme. Oh, moi, je suis pas un homme. Allez, confiez-moi ce secret qui vous tourmente là. Comme quelqu'un imbécile que vous aimez et qui ne s'en aperçoit pas, hein? Je vous aime, monsieur Curé. Vous m'aimez? Non. Ah, vous m'aimez pas? Ah, si. Enfin, je veux dire, je vous aime pas. Je sais que vous allez me sortir de là. Oui, bien sûr. Et quel est cet imbécile alors? Monsieur de Cantona n'est pas un imbécile. Comment tu lui? Oui. Ah, mal, laisse-moi, monsieur Curé. Eh, mais non! C'est bien, c'est bien! Ça arrange tout, c'est providentiel! Alors épousez tout de suite, hein. Il ne veut pas de moi, il me regarde à peine. Et voilà, ils sont tous pareils, hein. Donc, monsieur, des jeunes filles charmantes, jolies comme un cœur, ah ouais, il faut vraiment que les gens me soient. En fait, c'est ce que je dis. Oui. Vous êtes sûr de l'aimer? Oui. Thank you.
soir, après dîner, on joue au petit jeu. Mais tu vas voir le petit jeu, toi. Hier soir, on a joué à Golemaya. Paul m'attrapait souvent. Il tâtait mes mains, il tâtait mes bras, il tâtait... Oui, ça va, je connais. Hein. Pardon. Non, je veux dire, je connais le jeu de Golemaya. Bon, alors vous l'aimez, hein. Vous l'aimez. Il s'agit maintenant de vous faire une idée. Mais comment faire? Oui, ça, c'est mal. Alors d'abord, il va falloir que... changez un petit peu, que vous ne soyez pas vraiment en beauté comme vous êtes, hein. Oui. Il s'agit d'être un peu moins... et un peu plus... Enfin, oui, je veux dire, quoi. Enfin, là-bas, les bonnes sœurs. Oh, les bonnes sœurs, le chapeau, le menton, un petit peu de charisme, c'est une question, hein. Je sais. Je vais me mettre du rouge au joues, me teindre les cheveux comme ma tante. Oui, c'est ça, fait de ça. Mais non, vous faites dire des bêtises. Non, pas en tout temps, je ne comprends pas en tout temps. Non, mais vous allez changer cette coiffure-là, hein. Alors vous mettez une jolie petite fleur dans les cheveux et puis alors un petit ruban de velours autour du cou avec une jolie petite croix. Et alors, du sang d'or. Enfin, j'ai essayé le premier oui. Ah, je reviendrai. Oui, puis il n'est pas venu, quoi. Mais non, il a réussi. Non, ne pleurez pas comme ça, ça va finir par s'arranger. Non. Et puis suivez vos yeux, là, vous êtes tout bouffi. Je ne bouge pas. Prenez le mien, il est propre. Et suivez votre nez aussi, vous avez votre nez, là. Voilà, bon choix. Voilà. Il faudrait vous repoudrer un peu. Mais bien passer le sac de ma tante. Ça. Qu'est-ce que c'est, un portefeuille? Non, c'est un poudrier. Vas-y. Vous pouvez mettre deux couches. Ah, c'est bon. C'est quoi ça? Du rouge à lèvres. Non, mettons ça. Non, mais pas moi. Ce que je dis là. Allez, essaye, on met le chapeau là, maintenant. Allez, on combat le diable avec ses propres armes. À l'assaut! À l'assaut? Oui, je vais expliquerai plus tard. Allez. Oui, excusez, Seigneur, je vais expliquer dans le temps et à l'heure. Vous comprenez pourquoi à l'instant il y a urgence. Oui, je voudrais vous y voir, vous avez le poudrier, le rouge à lèvres, tout ci et tout ça. Hein. Enfin, vous voilà. J'ai cru que vous étiez fâché, on ne voit plus au château. Ça, oui. Vous avez des raisons que vous n'avez pas. Ah, ça, c'est certain. Eh bien, m'aider à ranger mes livres. Vous comprenez que ça prend beaucoup de temps. Je comprends, mais il aime beaucoup les livres. Ouh, j'ai ma petite idée là-dessus. Ah, vous savez. Eh bien, bon, je sais pourquoi il ne démarre pas d'ici. Quelquefois, on pense avoir, et puis c'est pas ça. Hein. Non, je sais ce que je dis. Ah, quand un homme est assidu dans une maison, il faut chercher. Ah, et vous l'avez... trouvé. Vous soupçonnez pas. Oui. Votre... parfaitement. Elle. Eh oui, elle. Je vous en prie, peut-être que... Louise. Louise. Mais oui. Mais bien sûr, mon Dieu. J'ai chaud, moi. Ça vous a frappé aussi. Ah, si ça m'a frappé, oui, ça m'a frappé, oui. Ah, mon Dieu. J'ai chaud, Martin. J'aime bien ce garçon-là. Il ne déplaît pas à ma femme. C'est tout à fait le genre qu'il me faut. Oui, monsieur, oui. Il vient d'apporter ceci du journal pour vous. Alors vous voyez que c'est très urgent. Je sais ce que c'est. Les nouvelles par mon bon cachot. Vous en faites peut-être des mauvaises nouvelles. Le vrai républicain, le torchon de nos adversaires. Mais Diaparte, quoi. Simple question. Est-il vrai qu'un candidat bien pensant ferait mieux de s'occuper de la chose privée que de la chose publique? Est-il vrai que la rosière de Montmartre trouve le moyen de ne pas s'embêter pendant que son mari fait de la politique? Est-il vrai qu'on la voit s'égarer dans la charmille du château avec un assidu de la maison? Comment de quelle averse? C'est de moi qu'il s'agit là-dedans. Ça se pourrait. Oui, c'est épouvantable. Mais vous savez, trompé par une femme qu'on aime, ça arrive souvent. Comment vous? Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Oui, mais à tout le monde, ça m'est égal, je m'en fous, mais sans moi. Alors, cette polémique dépasse les bornes. Non. Moi, cocu. Dieu bon de mer. J'ai une tête de cocu, là, mais... Vous savez, je ne suis pas très physionomiste. Non, mais tout ça, c'est de la politique. Pour commencer, on va répondre à cet article. Non, je crois qu'il vaudrait mieux pas. Vous n'êtes pas la moitié d'un imbécile, l'abbé. Merci. Non, si je me reconnais dans le personnage visé, il n'y a qu'une chose à faire. Non, maîtrisez tout ça. Vous croyez? Moi, j'en suis certain. Regardez ce que j'en fais, votre torchon.
situe au château. Oui, moi je viens souvent, mais enfin moi. Eh bien, oui, peut-être que lui. Oh, je vais en avoir le cœur net. Mais non, voulez-vous? Il y a la charmille. Si je les attrape, je fais un malheur. Attendez, monsieur Martinet, écoutez-moi. Je n'écoute rien. Écoutez-moi, monsieur Martinet. J'ai le cœur de vous demander la main de votre nièce Louise pour mon ami Paul Villiers de Cantenac. Attendez, qu'est-ce que vous dites? C'est une demande en mariage. Voilà. Comme le disiez-vous pas plus tôt, il fallait me le dire. J'allais vous le demander, mais là, l'arrivée de cette dépêche a tout troublé. Oh, mais ah, on peut pas savoir combien je suis content, mais bien sûr que je vais attendre sa main. Oh, Célestine! Mon Dieu, faites quelque chose, de suite! Rassemblement, Célestine! Mais tous les suites, faites quelque chose! Allez, trouvez votre ami et dites-lui qu'il y a lui parler, il va être content. Mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Oh là là, écoutez-moi, tu croyais que... Oh, la serangette! Ma petite Louise! Mais moi, quelle toilette! Et moi, elle m'a dit pour qui des petites sandales? Ah oui, c'est brillant! C'est normal? Et on vient de me demander sa main! Mais enfin, qui ça? Bah oui, qui? Ah, qui? Vous allez bientôt le savoir! Oui! Ah, voici, monsieur! Ah, monsieur de Cantenac, mon cher Paul. Vous m'avez dit que je m'appelle Paul. Hein. Et bien, c'est de tout cœur que je vous accorde la main de ma nièce. Et je laisse à Louise de vous dire, eh bien, ce qu'elle ressent. Comment c'est monsieur de Cantenac? Non, mais vraiment, mademoiselle, je... Mais inutile de la questionner davantage, ce sera la plus belle réponse que vous voulez faire. Hein. Embrassez, Louise. Ah oui, embrassez, voyons. Je ne comprends pas ce qui se passe. Oui, ça va. Non, un vrai baiser qu'elle a embrassé, là. Et puis embrassez-moi aussi. Hein. Ah oui, on s'embrasse tous, c'est bien. Allez, embrassez ma femme. Non, mais monsieur Martinet, je veux que la joie soit totale. Embrassez ma femme. Et je vous le dis, allez, embrassez ma femme. Voilà. Bon, Célestine, champagne. Au salon. Mais je te jure que j'y comprends rien. Nous célébrons les fiançailles de mademoiselle Louise. Mademoiselle fiancée. Oui, oui. Ah. Avec monsieur de Cantenac. Non, mais quelle mésalliance, mais quel monde. Allez, tu vas dire Louise, tu vas nous chanter quelque chose. Hein. Mon oncle, ma tante a une plus jolie voix que moi. Bon, mais oui, madame, s'il vous plaît, chantez. Oh, mais si vous insistez, monsieur de Cantenac, mais... C'est que décidément, on ne peut rien vous refuser. Aujourd'hui, vous êtes le roi de la fête. Je vais chanter, Jean. Allez, Louise, au piano, passez, Cécile. L'amour est enfant de poète. Il n'a jamais connu de roi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, mon cœur. Hey, oh, ma femme est folle. Oh, les convenances, les bienséances. Madame s'en fout, votre fou. Ah, madame s'en fout. Et si je t'en fichais une, est-ce que madame s'en fichait? Oh, mais pas du tout, tiens. Oh. Alexis, je me suis levée à l'Amérique. Tu pourras bien me placer.
Tu vas se mettre les pattes juste devant. Oh oui, qu'il me voit bien. Tu peux le faire voir, il me fait lier. Oui, enfin, qu'il voit bien, qu'il te voit. Mais t'as tout compris, mon Mickey. Figure-toi, il voulait qu'on aille dans un truc à 3 balles. Un bouge. Non, quand même pas. Je lui ai dit, penses-tu, my dear, à l'emprunt de la vie de ces vieux? J'y suis vedette. Vedette, enfin. Je suis quand même doublure. Oui, mais tu n'as jamais doublé personne. Bref. T'as bien fait de recommander la maison. Mais comme d'hab, je toucherai un petit bénéfice. Bah, 8%. 8%. Tu sais qu'à Pigalle, on donne 10. C'est possible. Et en palace, on donne même 12. Oui, bah, vaut mieux toucher 15. Enfin, 8 ici que 15 en face. C'est une maison sérieuse. Oui, mais faudrait peut-être augmenter le chauffage. Bah, c'est pour ça qu'on donne 8. Et ben, moi, j'ai pas tardé d'aller en face. Oui, c'est ça. Maintenant, vraiment, brouille-toi, va dans ta loge, t'as suffisant pour t'agacer. Allez, suis. Pour mon Américain. T'inquiète pas, je gère. T'es un chou. Elles sont folles. Pas folles. Folles de moi. Et puis, des excités comme ça, tu vas en voir. Tu rentres dans la carrière. Attention, une règle. Tout voir, non. Oh, quelle flotte. Monsieur le curé. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Vous avez dû vous tromper. On ne sert pas dîner ici. Si, mais... Oh, alors, j'ai fait une carte, pas de tout, hein. Alors, j'ai demandé le restaurant le plus proche. Si, mais je ne sais pas si on va pouvoir vous servir à dîner. Voici maître d'hôtel, tenez, voyez avec lui. Bonsoir, monsieur l'abbé, que puis-je pour vous? Je demande un boulot de thé. Un boulot de thé? Quoi, je parle pas français? Ah si, si, si. Vous ne comprenez pas? J'ai demandé le restaurant le plus proche, je m'envoie ici. Il pleut tellement, il pleut comme un vache qui pisse. Ah oui, mais vous envoyez ici. Et oui, bien sûr. Pourtant, il y a un petit restaurant très familial à 500 mètres. Oui, j'y suis passé à votre restaurant. Il est fermé. J'ai pas des papillons dans la tête. Ici, ça me paraît bon, ça me paraît très bien. Et il est habillé, le petit. Oui, oui, il est bien habillé. Lui aussi, hein. Ses costumes le peignent, ouais, ça me va bien. Il ne faut pas grand chose, moi. Une bonne soupe qui me cale bien. Et puis, voilà, un bout de rouge, ça rend très bien. Oui, oui. Ben, je vais voir ce qu'on peut faire pour vous, monsieur l'abbé, oui. C'est vrai que ça te va bien, ça, hein? Ça te va bien. Donc, c'est pire que l'entrée au paradis, ici, hein? Et les nouveaux, ton collègue, là? Oh, le maître d'hôtel, non, il connaît très bien son service. Ah, bon? Cela fait longtemps que vous êtes à Paris, monsieur. Non, non, je suis arrivé ce matin. Je suis à la recherche de quelqu'un, dont j'ai pas l'adresse. Ça ne sera pas facile à trouver. Oui, cherchez, vous trouverez, hein? Connais donc... Si! Oh, oui, mais je n'étais pas très bon. Oui, allez, encore... Monsieur curé, le maître d'hôtel. Monsieur l'abbé, donc c'est vous qui désirez dîner? Oui, gentil mais pas très éveillé. Vous êtes déjà dit. Je vous en prie, entrez là, on va s'occuper de vous. Ça en prend du temps, mais... Encore le curé de campagne qui sera fourvoyé. Oh là 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 là, c'est un salon pour architecte ici. Ici, vous serez très bien. Avec toutes ces pauvres honnêtes. Ça vous coûte cher? C'est le même prix partout. Ça va pas vous coûter plus cher que le table d'hôte quand même? Non, non, 10 francs. 10 francs? Oh, c'est pas cher. Frank a fait compris, le maître d'hôtel a fait passer la consigne de vous faire un prix, bien sûr. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Bon, mais écoutez... Monsieur l'abbé, veut-il que je déclare ce son bar? Non, 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 surtout pas, si vous perdez Mariette qui a fait du grabuge. Mariette, c'est ma cuisinière. Elle bougonne, elle aura autre chose. Elle est très dévouée. De la cuisinière. Monsieur curé, le maître d'hôtel. Ah, le pingouin. C'est vrai que... Vous êtes stylé, vous, hein? Oui, hein? Bonjour, merci. Vous êtes le chic parisien, quoi. Oui, je vous remercie, monsieur l'abbé, mais je ne suis pas parisien. Ah, oui, je suis né à Bordeaux, à côté. J'ai fait mes études de médecine juste à Bordeaux, et j'ai été muté dans un service à Limoges. Un service à Limoges? Oui, oui, oui. Une histoire. Pour commencer, je propose à monsieur bisque de homard. Bisque cocorico, qu'est-ce que c'est ça? Crème de homard fortement épicée, monsieur. Ah, mais pas pour la bisque. Filet de sol en belle vue. Bah, ah, oui, parfait. Pigeonneau sur canapé. Sur un canapé? Non, sur canapé, sur des toasts, bardés de lard. Attention, jamais barder la volaille, hein. Surtout si elle est tendre, hein. C'est Mariette qui l'a dit. Ça ne fait que du tort, hein. Mariette? Oui, Mariette, oui. Bien. C'est ma cuisinière. Ah, c'est votre cuisinière, oui. Oui. Tout à fait. C'est comme salade. Ah non, c'est de l'herbe ça. Non, 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 c'est pour les lapins ça. Non. Pas de salade. Des frites. Mariette, elle m'a fait jamais. Des frites. Ah, oui, voilà, c'est cela. Non. Et comme dessert. Oh, ce que vous voulez. Je suis gourmand comme le chat d'un curé. Bien. Cela vous convient-il, monsieur? Parfait, ça me donne du bon. Non, vous suis... exagérez, monsieur. Je vous fais de la réclame. Oui, oui. Ah, le potage de monsieur.
monsieur l'abbé. Oh, déjà, mais c'est l'Orient Express ici, hein. Voilà, merci. Bon, il faut que je dise mon bénédicité, hein. Du Père, du Fils, cet esprit, si soit-il. Seigneur ministre, ce repas, ce qu'il en préparé, surtout des délibères, mes frères, avec du bon pain de campagne, avec du bon beurre, et surtout de la confiture de Mariette, ainsi soit-il. Voilà. Merci, oui. Voilà. Vous avez soif, monsieur l'abbé. Oh, je boirai la mer et le poisson. Allez-y. Levez le coude, hein. Vous aimez? Oui, c'est bon, mais. C'est quoi? C'est du chambertin. Oui, c'est bon, mais. Moi, je préfère le vin. Ah. Bon appétit. Bien sûr, vous pas de mal. Hein. Oui. Bon, allez, les filles, s'il vous plaît, le patron nous appelle. On arrive! Salut, je vous prête. Ils sont là. Mais ma passion.
Hier, il était convenu que nous devions rentrer de bonne heure et pourtant nous ne sommes pas couchés. Rentrer de bonne heure? Et puis quoi encore? La maison, les pantoufles et le pot en feu, ça non? Eh bien, j'aime autant un bon pot au feu que du caviar. Ah! Mais pourquoi n'as-tu pas épousé Louise? En voilà une femme qu'il te fallait. Ne dis donc pas de bêtises, s'il oh, te plaît. Oh, mais je sais ce que je dis. Tu la regardes assez. Moi? Oui, toi. Regarde, encore ce matin, tu en parlais. Et alors, tu serais jalouse? Moi, jalouse de cette petite? Ah, ça non. Tu m'énerves. Oui. La voiture de monsieur est avancée. C'est pas trop tôt. Partons. Eh bien. Comment vas-tu maintenant? Je suis, je reste. Eh bien, nous restons. Eh bien, monsieur, pour la voiture? Oh, mais monsieur va la payer. Bien, madame. Par ici, s'il vous plaît. Bien. C'est ça, c'est moi et c'est toujours moi. Je suis quand même bien gentil, mais il faudrait pas qu'on m'embête. Hein. Et moi, rien. Foutez-moi la paix. Oh, Louis, tu as vu mon américain? Oui, j'ai vu ton américain. Enfin, non, d'ailleurs, non. Enfin, si, il est là. Oh, il est là, Jimmy est là? Oui, Jimmy est là. Oh, et tu ne pouvais pas me le dire? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous mangé ce soir? Mais quand je suis arrivé ici, je ne me suis pas méfié, on m'a parlé de
Perdreau, là, sur un canapé, là. Vous savez, le perdreau, moi, j'aime ça. Ah oui? Quand je vais à la chasse, et puis aussi dans l'assiette, bien sûr. Vous êtes chasseur. Je braconne. Oh! À propos, oui. Vous connaissez la différence entre l'homme et la femme? Non. C'est que l'homme chasse. Oui. Et la femme pêche. Oh! Oui. Monsieur Lapé. Non, 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 je galère. Mais c'est pas de moi, hein? Non, c'est de Victor Hugo. Un ami à vous? Oui, oui. En quelque sorte, oui. Ah non, parce que je connais Victor, on a Hugo, mais alors Victor, Hugo. Ah, mais dis donc, monsieur Lapé, ne laissez pas refroidir votre père. Non, non, j'ai bien mangé, là, j'ai bien mangé. Oh, c'est moi qui vous ai coupé l'appétit. Non, pas du tout, vous m'avez donné un bon exemple. Un bon exemple, vous m'avez pas condamné de me traiter ici, là, dans ce cabaret. Là. Dites-moi, mademoiselle Kiki. Kiki. C'est Kiki. Oui, je peux vous appeler Kiki. Oui, c'est toi. Vous connaissez du monde dans ce music hall, hein? Mais c'est pas une certaine Élisabeth de Courcy. Je pense, mais c'est une belle rue. Je crois que vous la connaissez bien. Oh, pardon, ça m'a échappé. Oui, ça, c'est le cri du cœur. Elle a eu de la chance, elle a fait sa pelote. Elle a épousé un type plein aux as. Et au lieu de se tenir tranquille, elle vient se ficher ici avec son gigolo. Élisy! Je vous ferai de la réclame. Oui. Vous réparez ma distraction. Oui, bien sûr, addition. Oui, bien sûr. Oui, oui. Elle est ici pour nous la voir. Monsieur le curé. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Je peux vous demander un service? J'en prie. Je dois passer un numéro de musicole. J'auditionne pour les folles émergentes. Oui, mais enfin, ça, c'est pas trop mon domaine, hein. Vous ne pourriez pas faire une petite prière pour moi? Mais je sais. Je ne dois pas être très bien vu là-haut. Oh, alors, mon petit rat, hein. Vous savez que le bon Dieu se contente d'une humble petite prière. Ça me fait plus de plaisir que les 100 000 chapelets égrenés par les grenouilles des piquets. Merci, monsieur le curé. Et prends le charleston, là. Merci, Kiki. Allez, ici. Je la vois. Ça. Et deux cocktails sur ma note. Bien, monsieur. Toi, ici! Vous! Vous ici? Moi, ici, oui, comme tu dis! Ça te surprend? Le voir, ça peut pas me scandaliser, de toute façon. Ouais, oui. Alors, tu viens ici avec madame Martinet, je suppose. Ah oui, monsieur. Et tu supposes que j'ai besoin de lui parler? Ah oui, monsieur. Hein? Eh bien, pas ici. Et l'on fout! Oh! Oh! Allez, prête-moi Saint-Louis. Non, pas Saint-Louis! Saint-Louis! Allez, hé! Bon, ok! Là, merci. Vous en prie davantage. Non, ça n'ira très bien. Hein? C'est M. Martinet qui vous envoie. Ça, mon petit, c'est pas tes oignons, ce sont les miens. Hein? Tu as attendu, hein? Allez, va danser. On t'attend là-bas. Alors, je suis pas très pressé. Oui, mais moi je le suis. Elle m'attendra. Oui, mais moi je le suis. Allez, dis-le. Monsieur. Oui. Si vous savez comment je suis content de vous voir. Eh oui, 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 fais pas ta scène de dit tout non, seul, non, hein. Non, je vous jure, j'ai eu des temps envers oui, vous c'est ça. Et envers Louise. Oui. Et je te jure que si c'était à recommencer. Oui. J'éviterai. Oui, mais tu me tutoies, hein. Tu as bu, hein, c'est ça, chaque fois que tu me tutoies, tu as bu des choux. Yeah. Allez, file, allez, va foxtrotter. Ah oui, attends, vous pouvez pas imaginer oh, la vie que je mène. Ah, mais tu te brûles, hein, tu te crames les doigts. Et c'est bien fait pour toi. Ah, mais quoi? Bien fait pour moi? Oui. Non, mais attendez, vous voulez ma place peut-être? Pas. Parce que un, deux, des scènes tout le temps, hein, les patins couffins, on vient ici, on repart là-bas, hein, et en plus, et oh, hier, elle m'a voulu danser, du toute la nuit à danser. Et moi, je ne peux pas danser, je vais pas en faire. Et puis là, j'en peux plus. Et en plus de ça, elle est jalouse. Alors que Louise, elle est gentille. Alors, oui, elle dans les chameaux, quoi. Oh, mais c'est le couche, là.
arrêtez, c'est ce que je disais. Non, voilà tout le bien que tu penses de moi. Oui, madame. Quoi, madame? Moi, vous, madame, je vous en prie. Oui, ça va, une vie entière brisée à cause de lui, une vie avec un homme généreux et bon. Oh oui, mais plus que toi, en tout cas, oui. Et pourtant, c'est pas moi que tu fais chercher. Ah, oui, oui, oui. Monsieur l'abbé, je l'avais vu quand il est rentré dans le salon. Vous l'avez vu? Ah, ça, j'ai vu, oui. Oui, il s'est jeté sur ma femme sauvage. Ah, madame, je vous en prie. Oh, et vous n'avez pas le sang, vous n'avez pas honte. Partout, je peux faire le bien. Et si je suis ici, c'est à cause de vous. De moi. Parfaitement. Monsieur Martin m'a envoyé vous chercher pour vous ramener au domicile conjugal. Oh, il me rappelle. Comme c'est bon. Justement, j'en avais assez. Allez, ouf. Oh, merci pour le chaperon. Je serai débrouillée. J'en ai pas. Bon vent. Est-ce que je perds un coup? Oh. Est-ce que ta grand-mère...
Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? Franchement, tu l'as rechanté, hein? Tu l'as fait par cœur. Mais oui, ils ont aimé, ils ont applaudi tout à l'heure. Oui, non, 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 c'est la poêle, c'est vous le poêle. Voilà. Ah, ouais, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je t'ai expliqué. Oui, mais tu m'as dit ce que tu as bien voulu, hein? Bon, d'abord, qu'est-ce que tu as été faire à Paris? Encore? Mais oui, les gens parlent. Mais tu n'empêches pas. Oh, oui, mais moi, j'entre en politique. Oh, je suis un homme public. Madame, monsieur, monseigneur Boyer vous a fait part de sa visite, alors son éminence est là dans l'entrée. Mais qui entre? Quelle? On dit une éminence. Oh. Oui, je l'expliquerai. Monseigneur Boyer. Ah, mon cher député. Eh, c'est bon, félicitez pour votre brillante élection. Et quelle satisfaction pour les honnêtes gens. Eh oui, monseigneur, grâce à vous, quel succès. Oui, excepté dans votre circonscription. Eh, oui, c'est la faute du curé. Dimanche, il a dit à la messe, moi je ne vous raconte pas des boniments comme ces bobards de la politique. Ah oui, il avait promis de m'aider, et moi je vais retaper son idée. Regardez-vous, mon ami, là. Oh là, mais Pasquale, il est certes parfois maladroit. Ouais, 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 il veut faire le soir, vous voulez dire. Non, non, il vous faut le saquer. Je vais le dire à tout le monde. Je lui parlerai très sérieusement. Monseigneur, ne nous enlevez pas la paix, nous avons besoin de lui. Ah ben c'est ça, en se défense, hein. Oui, tout le monde a besoin de pardon, n'est-ce pas, monseigneur? Oui, mais peut-être alors une simple petite retraite dans un monastère. Certes, l'abbé Pasquale est là, avant d'être reçu. Faites donc à l'abbé. Monsieur Curie, il faut que je vous avertisse. On veut vous jouer un sale tour et vous envoyer dans un monastère. J'ai pour mériter une chose pareille. Non. Monsieur Curie, beaucoup d'événements vous sont rapportés à votre encontre. Il semble que vous persévériez dans vos désordres. Tenez, on m'a même dit qu'à la messe dimanche, depuis la chaire, vous n'avez pas hésité à dire que vos paroissiens marmonnaient leurs prières sans les comprendre. Oui, je dis ça. J'en fiche le bon Dieu de tout ça. Comment? Oui, le franc-parler des carrefours et des casernes est beaucoup plus honnête. Tiens, bon. Oui, vous en fichez sur tout ce que je dis? Mais ça peut vous scandaliser, monseigneur. Mais l'abbé Pasquale est un brave homme qui a su écouter avec son cœur. Il est vrai que vos paroles sont parfois peu académiques, mais il faut reconnaître que les idées sont justes. Je mets toujours les pieds dans le plat. Oh, monseigneur, soyez plein d'indulgence pour notre bon curé. Oui, je vous apprécie et je ne vous en veux pas. Mais vous non plus, il ne faut pas m'en vouloir. Et puis entre nous, ça nous aura fait connaître la vie parisienne et le chat. Et le chat est... Oui. Maintenant, monsieur le curé, écoutez, vous êtes un déserteur. Vous avez demandé expressément de soutenir la candidature de monsieur Martinet. L'avez-vous fait ou non? Hein? Non. Ah! Vous avouez? Oui, oui, j'avoue, parce que j'ai obéi à ma conscience et je n'ai rien à me reprocher. Je vous ai déjà oublié, votre équipe est parisienne. Notez que je ne sais rien, mais les langues sont vite déliées dans le diocèse. Pour en revenir de l'équipe parisienne, j'ai été entraîné. Dans des endroits où il y a des gens peut-être plus honnêtes qu'on ne pense. Je regrette, monseigneur, mais je n'aurais jamais dû accepter la mission que vous m'avez confiée. Trop difficile pour moi. J'avais décidé de vous envoyer méditer, vous reposer, faire une retraite dans un monastère. Mais il faut bien revenir à votre équipée parisienne. Je dois dire que votre ami Paul de Cantenac est venu me voir et m'a dit beaucoup de bien de vous. Ah. Et j'ai su l'écouter. Alors, mes amis, que je vous annonce quelque chose. Voilà. Je mets le château en vente et nous partons vivre à Paris. Hein? À Paris, Jean? Alors je reste! Ah, c'est Mariette qui va te prendre! Oui. Ah, elle va m'ouvrir une bouteille de quinquina! Ah, voilà les nouveaux propriétaires du château! Mais Mariette, qu'est-ce que tu fais là? Ils avaient l'air pressés, alors je leur ai dit qu'ils vous trouveraient au château. Ils étaient tellement heureux qu'ils m'ont emmené avec eux. Nous sommes passés au presbytère, monsieur l'abbé, chercher Mariette. Nous voulions que vous soyez les premiers à connaître la nouvelle. Quelle nouvelle? Monsieur l'abbé, monseigneur, ma tante, mon oncle, vas-y, toi. Eh bien voilà, Louise et moi, allez. Nous allons nous fiancer. Oh, mais ça c'est une nouvelle. Mais c'est vraiment tant. Eh bien, c'est... Un coup de circonstance a fait que je peux mettre dans la corbeille le château des Cantenac que je viens d'hériter de la vieille tante Marc qui est décédée. Oui, j'ai bien aimé, oui. Elle n'est pas partie avec ses sous. Eh oui, monsieur le curé, le nouveau propriétaire du château, c'est votre ami Paul de Cantenac. Ah, Paul, tu étais. Je t'ai baptisé, tu t'es remis au catéchisme. Hein, je te mariais. Alors, moi, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu as pleuré comme une fontaine, toi? Cela m'émeut. Je ne connais pas grand-chose à l'amour, mais moi, je suis émue. Mais
charmantes demoiselles. Ce sont les filles de Marie, monseigneur. Monsieur le curé, pas de mensonge. Mes amis ont fait la connaissance de monsieur le curé et elles avaient hâte de le revoir. Donc, nous avons gentiment invité à venir le voir. Par si nous pensions à ces fiançailles, hein. Soyez heureux, monsieur.